Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jay Découvre Interstellar Transport Company. Alors je me suis intéressé à ce jeu grâce à notre ami Coinsky. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, si vous connaissez pas allez vous abonner immédiatement parce que sa chaîne elle est super. Il nous a fait une petite vidéo de découverte sur Interstellar Transport Company, donc le jeu m'a pas mal intéressé. Coinsky a parlé des limites du jeu et du coup je l'ai testé moi-même et on va voir ça ensemble. Donc Interstellar Transport Company c'est un jeu qui sort en Early Access le 15 août je crois, enfin dans quelques jours quoi. Donc très rapidement, et donc c'est un jeu où en fait on gère une compagnie commerciale interstellaire dans une mini-galaxie on va dire qui évolue. Et il y a des... Franchement, ce jeu a plein de principes qui sont vachement intéressants, moi je trouve en tout cas. On va faire une nouvelle partie, on va se mettre en normal, on va appeler ça J Corporation. Et ça ira très bien. Donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Et les principes du jeu sont assez simples au final. Et on va assez rapidement voir les limitations et les problèmes. Bon, c'est de l'early access, donc du coup, c'est peut-être normal qu'il y ait tous ces problèmes-là. Donc déjà, bon, il y a pas mal de bugs. Hein. Premièrement, il y a pas mal de bugs. Donc là, on a en gros notre galaxie, en fait. Donc c'est pas immense, mais vu déjà ce que c'est de gérer l'intérieur d'un seul système, je pense que c'est... largement suffisant. Après on peut faire des custom galaxies sans avoir à commencer sur sol avec la Terre et tout. Hein. Donc du coup nous avons ici le système solaire qui est assez bien représenté quand même avec les lunes principales de Jupiter, de Saturne, de Mercure et de tous les autres mondes. Nous sommes en 2050 et nous avons une colonie sur Mars avec 500 000 habitants. On retrouve ici, si vous voulez, l'offre et la demande. Donc sur Mars, il y a un gros besoin de nourriture et d'eau, de consumer goods aussi, c'est bien de consommation, et un gros besoin de machinerie. Et ce que Mars produit pour l'instant, c'est uniquement des matériaux bruts. Même pas de ressources rares ni rien. Mais genre, elle produit 0,01, donc c'est pas énorme non plus. Si on regarde ici, on voit le niveau de développement. Et pour ça, pour augmenter le niveau de développement, il faut qu'il y ait 100% de machinerie. Donc il faut amener suffisamment de machinerie sur la planète pour en gros construire l'infrastructure de base pour supporter les colons, ce genre de choses. Et en gros, la population et le niveau de développement va être influencé par l'habitabilité et puis les autres informations, quoi. Enfin, c'est genre, si une planète n'a plus de nourriture et qu'elle n'en produit pas, il y a des famines qui créent des réfugiés, du coup des réfugiés qui veulent rentrer sur Terre, ce genre de choses. Donc il faut quand même qu'on fournisse les denrées de base aux différentes planétoïdes, parce que sinon bah, ils vont mourir. Du coup ensuite on a aussi des cristaux de dalithium, donc ça c'est pour tout ce qui va être warp drive. Donc pour l'instant en début de partie il n'y a pas de warp drive, on ne peut pas faire de voyage interstellaire. On est juste avec de la propulsion standard on va dire. Alors, en début de partie, moi ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, on a la Terre et la Lune. La Lune a plus de 6 millions d'habitants, donc c'est vraiment la route commerciale la plus simple. Donc actuellement, on a 225 000 dollars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter, on va y aller comme des brutes. On va s'acheter 1, 2, 3 gates sur Terre. Donc ça m'a coûté quasiment 100 000 déjà. On va s'acheter 3 gates sur la Lune. Voilà, et après vu que c'est des petits trajets, on va acheter des petits vaisseaux. Alors avant on va déjà designer une route commerciale. Donc les routes commerciales se designent ici. Si on clique une nouvelle route, on doit ajouter des stops. Donc on va dire que c'est Terre, Lune, Terre. On fait l'aller-retour. Alors ce qu'on peut faire, c'est que pour chacune des ressources, parce qu'on sait que la Lune, elle a surtout besoin de nourriture et d'eau. Et elle va avoir besoin aussi de machinerie. Sauf que le problème, c'est qu'en termes de machinerie, la Terre n'en produit pas énormément. Elle en produit 43 par semaine, mais le problème, c'est que ça lui coûte 43 de ressources rares. En gros, une machinerie utilise une ressource rare pour être produite. Et les ressources rares, elles partent assez rapidement. Et du coup, la machinerie, ça a un peu du mal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire attendre de charger complètement quand même la nourriture et l'eau. Parce que là, on sait qu'on a plusieurs millions d'unités qui sont disponibles. Et aussi les consumer goods, tu peux charger ces trois trucs là, on est large. Les raw materials, on en consomme énormément. Ça c'est normal, c'est utilisé pour le développement de la population. C'est utilisé dans la production de consumer goods principalement d'ailleurs. Ça utilise deux unités de raw material pour chaque production. Ouais. Et après on a aussi bien entendu tout ce qui est colons.
Hein, donc là, on a des passagers, des touristes et des passagers business. Et après, on a des vrais colons. Et on voit d'ailleurs ici qu'il y en a des colons qui veulent aller sur la Lune. Et c'est tout, quoi, pour l'instant. Mais bon, on est en début de partie, j'ai pas encore enlevé la pause. Donc du coup, on va charger les ressources de base. Mais par contre, sur les machineries, on va pas dire d'attendre parce que nos vaisseaux vont sinon souvent rester bloqués sur Terre à pas pouvoir avancer. Ensuite, une fois sur la Lune, par contre, si on regarde la production lunaire, on voit que la Lune produit un peu de... Enfin, surtout, c'est les ressources rares, en fait. Une fois sur la Lune, on va vouloir peut-être attendre un chargement complet. Mais je pense pas parce que il en produit pas énormément. Et le problème, c'est que ça, nos vaisseaux vont risquer vite se retrouver bloqués à attendre en fait que les ressources soient pleines. Et ça va pas le faire. Alors on a une mine ici qu'on ne peut pas améliorer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a différents emplacements, vous voyez, sur chacune des planètes. Et on peut y construire une mine de ressources rares. Mais bon, c'est 280 000, ça coûte un peu cher. Après, on a aussi les local office qui nous permettent d'augmenter la réputation de notre compagnie sur une planète. Et cette réputation nous permet de faire d'autres actions. Et construire un bureau local va nous coûter un peu de réputation, mais nous en rapporter chaque semaine. Le truc, c'est que à chaque fois qu'on investit, on perd un peu de réputation de la compagnie. Je comprends pas trop pourquoi ce système fonctionne comme ça me paraît pas très logique perso. Mais bon, c'est pas grave. Donc on a notre route commerciale qui est prête. On va commander du coup des vaisseaux. Donc on va acheter un vaisseau. Donc là, on a différents modèles. Donc on a Boeing et Spacebus, c'est un peu l'équivalent de Boeing et Airbus, hein, bien entendu. Donc le Spacebus, moi je l'aime bien parce qu'il est un poil plus grand que le Boeing, mais il a une réliabilité un poil plus faible, mais il consomme moins d'essence aussi. Ouais, il consomme moins d'essence en règle générale. Par contre, il va un poil moins vite. Mais bon, pour aller de la Terre à la Lune, ça c'est pas trop grave. Donc du coup, on va aller sur Spacebus. Par contre, un truc qu'on doit faire, c'est que on doit prévoir le cargo ici. On doit prévoir ce qu'il peut transporter. Donc ici, Dry Climate Controlled, ça nous permet de transporter de la nourriture, des consumer goods, des rares ressources et des réfugiés. Donc déjà, on va en mettre, je pense, 10 de ça parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. On va prendre de l'eau aussi. Après, alors les raw materials et les dilithium crystal, on va probablement pas les transporter entre la Terre et la Lune. Par contre, on va probablement envoyer un petit peu de machinerie, donc ça, on va en avoir besoin. Et après, on pourrait rajouter ça permet de transporter n'importe quel type de passager. Donc ça serait pas mal de pouvoir transporter un petit peu des colons vu qu'il y a un peu de tout. Donc là, on a en gros un transport qui est assez versatile, on va dire. On va lui assigner directement la route, celle-là. Et par contre, alors le prix, il est où déjà? Il est là, il y a 28 000, nous on est à 123 000. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en acheter 3 directs. On est tombé à 39 000. On va enlever la pause. C'est parti. Je sais pas trop pourquoi l'orbite est devenue verte ici. Donc nos vaisseaux sont en cours de construction, bien entendu, hein. Ils arrivent dans 18 jours. Bon, ça va, la production est rapide. Excusez-moi. Allez, 9 jours, 8 jours. Allez, on va accélérer un peu là parce que c'est lent. Donc c'est pour ça que j'ai acheté 3 guides sur Terre et 3 guides sur la Lune. C'est pour qu'ils, voilà, ils se mettent au boulot direct. Poum, voilà, on commence à travailler. Donc on a déjà fait 27 000 là. On est remonté, voilà. Le retour, ils ont ramené aussi un petit peu de ressources de base. Et donc on va commencer à voir évoluer. Alors sachant qu'il y a d'autres compagnies, hein, qui vont bosser, vous pouvez les voir. Il y en a 3 autres, c'est les autres couleurs là. Si on regarde sur les reports, on les voit ici. Income pour l'instant, c'est surtout moi. Et en net worth, par contre, elles sont plus élevées. Donc on est déjà remonté à 80 000. Si on regarde sur la Lune, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire, je pense, à une petite office ici pour nous permettre après d'avoir une bonne réputation. On voit ici la répartition des portes. Donc on voit que eux ont pris qu'une seule porte pour commencer. Nous, on a attaqué direct avec 3. On est à 58 000. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution derrière. C'est-à-dire qu'on voit que, bah, du coup, sur la Lune, ça produit des matériaux, des ressources rares.
Les machineries, il y en a un petit peu plus qui ont commencé à arriver, j'ai l'impression. On va accélérer un petit peu. Alors, il y a aussi une notion de maintenance des vaisseaux. Donc, sur la Terre, il y a pas mal de bâtiments, comme vous pouvez le voir. Et on a des trucs de maintenance. Nous, normalement, on commence avec un truc de maintenance. Donc, nous, on a déjà un bureau moyen sur Terre. Et on a, voilà, on a un large maintenance shed. Ça nous répare un vaisseau qui est docké. Et ça peut réparer un vaisseau qui est en transit aussi d'ailleurs, c'est marrant ça. Bon, du coup c'est en transit, on voit déjà les bénéfices qui sont faits, ils sont monstrueux. Hein. Les coûts de fuel sont très faibles parce que la distance est très courte forcément. Et du coup bah, ça charge, ça décharge et puis ça envoie quoi et ça fait des thunes. Et on est déjà à 114 000, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite... acheter, on va voir, elles sont à 38 000 les gates. Donc on va tout de suite acheter une autre gate sur la Terre et sur la Lune. Parce que sur la Lune, elles coûtent que dalle les gates par contre. Elles sont à 4800. Et on va tout de suite, on va cliquer là et on va faire un duplicate. Et le truc, c'est que je pense qu'on devrait pouvoir monter à 8 vaisseaux avec seulement 4 de ces trucs là. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va en acheter deux autres, donc on est tombé à 20 000 dollars là. Mais bon, on va accélérer le temps. Et on va surtout faire des allers-retours, voilà, entre la Terre et la Lune en fait pour l'instant. Donc ça y est, on a le quatrième qui vient de sortir, le cinquième et sixième qui viennent de sortir. Alors il y a un autre truc aussi que je vous ai pas montré, c'est ici, on a des événements. Donc par exemple, pour chaque unité de machinerie qui sont envoyées sur la Lune, on a un subside, c'est-à-dire on nous donne de l'argent additionnel de 24, de 25 dollars. Par ici, on a quasiment 29 dollars si on envoie de l'eau sur la Lune. Bah ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Et on voit qu'il y a une nouvelle colonie qui a été démarrée aussi sur Europa. Alors Europa, c'est ici. Hop, alors si vous regardez, il y a très peu de nourriture et d'eau, ça va être consommé assez rapidement. Ça serait pas mal d'ailleurs que ça indique au bout de combien de temps ça sera vidé. Et par contre, un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut probablement leur envoyer un petit peu de... au moins juste de l'eau et de la nourriture. Mais par contre, ça va nous coûter beaucoup trop cher de faire un transit jusqu'à Jupiter, parce que c'est super loin Jupiter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle route. Cette deuxième route, on va la faire démarrer de la Terre et on va l'envoyer sur Europa. Mais c'est tout, juste un aller-retour. D'accord ? On va lui dire ici de se mettre en full load sur l'eau et la nourriture. Voilà, donc c'est un... Attends. Non, je vais faire ça. Et ce qu'on fait derrière, on est à 200 000, ça y est déjà, mon dieu. On va faire pause deux secondes. Ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va acheter un nouveau vaisseau, sauf que cette fois-ci, on va acheter des roquettes. Neptune Rocket, c'est utilisation one time. C'est-à-dire que c'est une roquette, elle est envoyée, elle atterrit, elle s'écrase, entre guillemets, de l'autre côté, et elle repart pas, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de spatioport. Ça peut alimenter une colonie qui est sur la planète, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer 5 unités de liquide et de... Enfin voilà, on va se prévoir ça comme truc. On va les mettre en launch immediately vers Europa. Et on va en acheter 5. Ça coûte que dalle. Même, on va en mettre 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On envoie ça, ça nous coûte que dalle. Juste le temps de production. Le temps de production est très rapide, vous voyez, on est déjà à plus qu'un jour. Hop, ils sont envoyés. Et après, on a sur Mars, sur lequel on pourrait faire la même chose, mais ils ont un petit peu plus de ressources en RAB, Mars, donc c'est pas encore trop intéressant. Et d'ailleurs, pour faire le voyage entre la Terre et Mars, il va mieux falloir acheter un vaisseau beaucoup plus grand, comme le Spacebus D500. Le Boeing 919, mais Spacebus va sortir un D550, je crois, qui est encore plus grand que lui. Donc on va juste attendre et on lancera à ce moment-là. Et on voit du coup nos roquettes qui sont en train de partir là, les 10, elles sont côte à côte en fait. Alors ça aurait été pas mal qu'il y ait une notion quand même de fil de production, je pense, sur les planètes. Parce que là, en gros, on peut acheter autant de vaisseaux qu'on veut le jour même et ils sont tous produits en même temps. Genre dans ma partie de test, à un moment donné, j'ai envoyé 50 de ces trucs-là.
Ils ont tous été produits et lancés en même temps. Donc ça, c'est, ça m'a semblé pas super logique. Voilà. Donc New Starship Spacebus D520 est disponible à la vente. Donc si on regarde le D520, c'est celui-là. Il a beaucoup plus de place et il serait très bien pour envoyer. Alors, il y a des problèmes d'attaque de pirates aussi. Comme vous pouvez le voir, on a eu un message. Donc c'est-à-dire que là, en fait, on est en train de tellement s'éloigner de la Terre que on est dans une zone qui n'est plus sécurisée, en fait. Donc il y a des pirates qui nous attaquent. Bon, après, c'est juste sur des fusées à 2000$, donc c'est pas très très grave. Et le principe aussi de ça, c'est principalement d'envoyer des ressources pour soutenir, pour éviter qu'ils crèvent de faim, les mecs, les pauvres. Par contre, ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est qu'on a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va déjà en acheter deux autres de ceux-là. Parce qu'on avait dit, avec nos 4 gates, on devrait pouvoir tourner à 8, normalement. On voit les profits qu'on a fait, on est déjà à 133 000$. Si on regarde sur nos routes, on est à 420 000$ de profit. Pour l'instant, on est à moins 22 000$ parce qu'on a acheté 10 fusées à 10 000$. Et à l'arrivée, normalement, ça devrait le faire. Alors, on a encore perdu apparemment un autre vaisseau, malheureusement. Une autre fusée sur la route. Alors, le premier problème, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la partie, le premier problème de ce jeu, c'est que son interface, c'est pas du tout facile à manipuler. Alors, vous voyez, hop, je m'en suis fait bouffer 4 quand même par les pirates. Ça, c'est pas génial. Ça aurait été mieux si... Un truc qu'on peut faire, parce qu'on a quoi ? On a 320 000 de côté là. C'est qu'on peut très bien. Sur cette planète, on a quoi ? On a 79% de réputation. On pourrait faire un petit office déjà. Et à côté, on va construire des services de sécurité. Ça, ça va aider. Hop, nos deux spacebus viennent d'être construits. Parfait. Entre la Terre et la Lune. Ça, et vous voyez, il y a ce genre de truc qui reste là. C'est un bon vieux bug. Bug d'emplacement d'éléments graphiques. Juste voir. Ben voilà, ça y est, ça l'a fait partir. Bon, on va pas construire plus que ça, je pense, par ici. Après, on peut, genre ici, on peut coloniser nous-mêmes. Ça coûte 350 000, donc on va pas le faire. Mais on peut coloniser nous-mêmes et ça peut valoir le coup de le faire sur des planètes, genre par exemple. Il n'y a pas de ressources rares ici, vous voyez. Sur Vénus, il y en a beaucoup des ressources rares, donc ça serait intéressant à coloniser, sauf que l'habitabilité est seulement de 1%. Donc ça serait un peu chaud. Ici, il n'y a aucune ressource rare non plus. Et les ressources rares, c'est utilisé pour produire la machinerie, donc c'est vraiment un truc assez important. Et si on regarde par exemple sur Titan, on a des cristaux de dalithium qui sont disponibles. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça nous permettra de faire tout ce qui est warp drive. Alors sur Europa, il y en a un petit peu d'ailleurs aussi. Il faudra probablement faire un subsidize d'un truc de production de dalithium, un de ces quatre. Mais il n'y a toujours pas de ressources rares. Alors un truc que je reproche aussi à ce jeu, c'est que j'ai pas une interface qui me permet de trouver rapidement une planète avec un certain type de ressources. Je dois les faire une par une. Et vu que c'est pas hyper pratique de naviguer au final dans ce truc là, que c'est pas super agréable. Si on regarde un petit peu d'ailleurs les autres planètes, sur les autres systèmes, c'est pas facile du coup de trouver quelle est la bonne planète. On passe beaucoup de temps en fait à chercher les bonnes planètes qui pourraient nous intéresser, quoi, en fait. Bon, du coup, mes fusées, elles sont toujours pas arrivées. Un truc aussi, la musique est vraiment pas top. Franchement, pas fan du tout. Pour y avoir joué quelques heures, elle devient assez lourde au bout d'un moment. Alors, le spaceport sur la Lune a été upgradé. Donc, en fait, quand il est upgradé, il y a plus de gates disponibles. Ça veut dire que ça s'agrandit et qu'on peut faire encore plus de transit. Hein. On voit qu'il est... Voilà, on a un petit peu plus de place ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va acheter d'autres gates ici parce qu'elles coûtent pas cher. Et je pense que sur la Terre aussi, on va en avoir besoin de beaucoup de gates hein, à long terme. Donc on va en prendre 2-3 de plus. Et pour l'instant, on va dupliquer juste ces vaisseaux-là. Alors vous avez vu, nos fusées sont arrivées d'ailleurs. Hein. Bah, j'en ai pris 6 de plus pour faire ce transit entre la Terre et la Lune. Et l'avantage, c'est qu'en fait, du coup, on soutient le développement.
C'est-à-dire que vous voyez, on est à 14% de développement, les machineries, un jour on va arriver à 6000, et on va avoir une population de fous sur cette planète, et c'est vraiment un des points forts de ce jeu, je trouve, c'est cette espèce de simulation de l'économie, avec du coup le fait de réellement pouvoir soutenir. C'est-à-dire que dès que les gens vont commencer à aller sur Mars, alors le problème de Mars actuellement, c'est qu'il y a... On va, je pense, l'acheter, la gate, elle coûte pas cher. Alors je peux pas en prendre deux, parce que les autorités locales ne vont jamais accepter qu'il y en ait deux d'une même compagnie. On va construire une office, et puis on va bientôt pouvoir y aller aussi. Mais voilà, est-ce que tous mes autres vaisseaux, non, ils sont toujours à 8 jours de la production. Et par contre, si on regarde sur Europa, du coup, il y a beaucoup plus de nourriture et d'eau qui sont disponibles. Alors il y a un petit souci sur les consumer goods. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de spatioport ici en fait. C'est un peu le souci. Alors on pourrait envoyer, grâce à nos Neptune Rockets, on pourrait envoyer juste de ça par exemple cette fois-ci vers Europa. J'en renvoie 10 direct et on va voir si on arrive à soutenir. Et par contre du coup... Alors vous voyez, par contre, je gagne pas d'argent là-dessus. Voilà, je vais leur dire de charger un petit peu aussi des consumer goods parce qu'on l'avait pas fait la dernière fois. Mais ouais, c'est pas très rentable de faire ça, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, le temps de voyage est tellement long qu'au final... Bon, après, j'ai aussi acheté plein d'autres vaisseaux, mais... Et puis, le problème, ça aussi, c'est un bug, c'est qu'on voit encore 21 vaisseaux assignés. Avec les 10 premiers que j'ai envoyés mais qui ont été consommés, on va dire, à l'envoi, ça devrait les enlever. Sauf qu'en fait, ça va pas les enlever. Donc du coup, vous vous retrouvez avec des routes où ça vous dit vous avez 150 vaisseaux assignés alors qu'en fait, il y en a zéro. C'est un peu couillon. C'est mal foutu aussi. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est que c'est un jeu en early access. Il y a plein de bugs graphiques. Il y a plein de petits trucs qui vont pas. Bon, on voit que par contre, notre route de la Lune, elle va bien. Là. 1 597 000 de profit. Et rien que cette année, on fait 1,7 million. Si on regarde les rapports, on est devant les autres. Ça, c'est pas mal. Sauf que eux aussi, hein, ils font la même chose. Sur l'income, le vert est devant nous. Et le net worth, on est un peu devant les autres. En gros, l'objectif du jeu, c'est de, sur un certain nombre d'années, d'être en compétition avec ces 4 autres compagnies et de je crois, d'avoir le meilleur net worth. Un truc comme ça. Mais bon, ça, c'est l'objectif du jeu. Entre guillemets, on s'en fout. Donc nos roquettes sont parties, elles commencent à se faire attaquer un peu par des pirates sur la route. Pendant ce temps-là, on voit qu'il y a un flux continu entre la Terre et la Lune. Moi, je pense qu'il va être temps, vu que j'ai plus d'un million là, je pense qu'il est temps... Bah, vous voyez, on commence à déjà avoir des vaisseaux qui font des transits vers Mars. Ouais, c'est le jeune qui nous fait ça. Donc nous, alors on va pas acheter deux gates parce que je pense que c'est pas nécessaire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une nouvelle route entre la Terre et Mars. Et on rajoute un stop vers la Terre, hein. Faut faire l'aller-retour quand même. Je vais faire un full load de ces ressources de base là, dont Mars a besoin. Et une fois sur Mars, par contre, je vais pas faire de wait to until full load. Si on pourrait... Parce que le truc, c'est que le temps de voyage est quand même assez long. Sachant que sur Mars, il nous produit... Ouais, mais il nous produit très 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 peu de raw materials pour l'instant. Donc attendre d'être plein pour le retour, ça risque d'être trop long. Donc on va pas le faire. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un nouveau vaisseau. On va passer sur le D520, donc il coûte assez cher par contre. On va lui mettre beaucoup d'emplacements de ça. On va mettre juste 1, 2, 3, 4, 5 de ça par contre. Du coup, pour le retour quand même, ça serait peut-être pas mal d'avoir un petit peu de ces ressources-là. Mais je pense qu'après, dans l'idéal, il faut juste blinder les ressources de base, quoi. Ouais, ça me semble pas mal. On va les mettre en launch chez Medalty et sur vers la Terre. Donc on va en acheter un seul pour l'instant. Cette interface du jeu, elle est pas pratique. Elle est pas pratique parce qu'en fait ici, dès que le jeu commence à avancer, des vaisseaux, vous en avez beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup. Et avoir juste un truc de scroll avec aucune possibilité de les filtrer. Par exemple, les filtrer par route, hein, c'est tout bêtement. Bah ça c'est pas possible. Et quand vous êtes sur la route ici,
Vous pouvez pas sélectionner juste les 14 vaisseaux qui sont assignés à cette route. Donc c'est pas pratique. Mais bon, ça c'est du early access, il y aura des retours, les devs amélioreront ça, je pense. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va attendre que quelques jours passent. Parce qu'il est à combien? Il me dit pas combien de temps il prend la construction. Non. Donc on va en acheter un autre maintenant. Ouais, 50 jours. Il a 50 jours. Donc à 25 jours, je vais en acheter un troisième. Parce qu'en fait, je veux leur laisser suffisamment de temps quand ils vont partir. En fait, voilà, ça y est. Celui-ci vient de partir. Donc l'autre, il est à 29, 28, 27, 26, 25. C'est parti. Putain, on est à 1,5 million. Il va falloir qu'on investisse beaucoup plus. Bah, je pense d'ailleurs que 4, ça sera pas suffisant. On va peut-être monter à plus. Allez, on en envoie encore un. Donc là, on en a deux en transit actuellement. Ils sont pleins à chaque fois. Enfin, pas tout à fait pleins vu qu'ils n'ont pas pris de ressources de base, mais ça, c'est normal. 10 jours, 5 jours, 4 jours. Et vous voyez, en fait, cette interface, elle bug. C'est que j'ai du mal à savoir si celui que je sélectionne, c'est le bon. Mais bon, des fois ça marche, mais des fois ça clignote un peu et vous savez pas si vous avez cliqué au bon endroit ou... Enfin, franchement, dès que vous commencez à avoir beaucoup de vaisseaux, cette interface, elle devient quasiment inutilisable. On va en acheter encore un autre. On en a 1, 2, 3, 4, 5 en transit. Voyons voir, ce qu'on va faire, c'est que sur Mars, on va probablement aussi... Alors, pareil, le truc aussi, c'est que sur le principe, c'est intéressant. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, ma caméra a du mal à rester centrée. Alors voilà, j'ai déjà des offices ici, ça serait pas mal d'avoir un truc de maintenance aussi. Donc on va faire un petit hangar de maintenance. Et après, sur cette planète, on a quoi? Il y a très peu de ressources, comme vous pouvez voir, seulement 4%. Très peu d'eau. Bon, l'habitabilité est meilleure, mais... D'ailleurs, Spaceport, ça a été upgradé, mais on a... Ouais, on n'a pas d'autre place. Hop là, si. On va acheter une deuxième gate quand même, ça pourrait être utile. Je suis pas le seul à avoir pris cette décision immédiate. On voit même que du coup il considère qu'il fournit de la nourriture et de l'eau alors qu'il en produit pas, mais c'est juste qu'on lui en amène tellement qu'il n'y a pas de demande en fait. Mais bon, ça va stimuler le développement. On voit que les autres compagnies ont commencé aussi à investir sur Mars. Alors Mercure a pas encore été colonisé, est-ce qu'on n'a pas eu d'autres colonisations qui ont été prises? Non. Ouais, si on envoie des machineries sur Mars, on a un petit subside. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que sur Terre on a beaucoup de machinerie stockée ou pas? Non, on a seulement, voilà, on a seulement une dizaine de disponibles. Par contre, on a beaucoup de colons qui sont disponibles au transport, comme vous pouvez voir. Donc on pourrait faire des transits spécialisés. Voyons voir. Ah voilà, je pense que j'ai besoin de plus de gates. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai l'impression que j'ai des vaisseaux qui tournent. On va acheter beaucoup plus de gates sur Terre parce qu'on en aura de toute façon vraiment besoin à terme. Et puis on se fait tellement de thunes que c'est bon quoi. Voilà, moi quand j'y vais comme une brute. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore dupliquer. Voilà, on va en acheter quelques autres. Et puis on va augmenter nos capacités aussi d'amarrage sur la Lune. Parce que on commence à avoir beaucoup de transit par ici. Et du coup on va avoir besoin de tous ces emplacements. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est que pour améliorer la vitesse à laquelle c'est chargé ou déchargé, on peut acheter un service de taxi. Et ce service de taxi, on va surtout en avoir besoin sur la Terre. Sur la Terre on va en avoir besoin parce que c'est surtout ici que ça va être crucial de charger et de décharger vite. Donc on va construire le service de taxi et on va tout de suite l'upgrader au niveau max. Alors ça me coûte un petit peu de réputation à chaque fois, ça permet je pense d'éviter de trop construire de choses à la fois à mon avis. Du coup on peut même upgrader nos offices ici et alors nos trucs de maintenance c'est déjà au max. Du coup, on a déjà la maintenance, on a déjà l'office. Le security, ça permet d'augmenter la protection autour de cette planète. Et ça permet d'augmenter aussi la protection dans tout le système. Après, une raffinerie d'alithium, on n'en a pas besoin. Et une machinerie factory, ça pourrait être intéressant pour augmenter la production. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources rares
pour augmenter la production en fait. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment pas assez de machinerie, c'est vraiment c'est pour ça que j'ai pas mis sur mes routes d'attendre d'être plein pour les machineries, parce que sinon mes vaisseaux vont juste rester coincés. Alors si on regarde nos routes par contre ici, vous voyez que sur la route vers Mars, alors déjà celle-ci d'ailleurs, je pense qu'on va la supprimer, hein. On n'en a plus besoin. On est à moins 700 000 sur cette route-là. On est à moins 700 000, mais si on regarde nos vaisseaux, donc tous les vaisseaux qui font le transit vers Mars, c'est-à-dire tous ceux-là, là, ils font un petit peu de profit. C'est pas énorme, alors il y en a certains, ils n'en font pas. Probablement qu'ils n'étaient pas remplis comme il fallait. Mais on en a certains qui font quand même du... qui font quand même du bénéf. Le truc, c'est que à terme, une fois que Mars va plus se développer, parce qu'on a 3 millions d'habitants, on a un petit peu de machinerie qui est livrée. Ils ont, vous voyez, leurs besoins en nourriture et en eau quand même augmentent parce que leur consommation augmente et du coup ils ont pas suffisant, ils ont de moins en moins de stock, donc ça leur convient pas ça. Et du coup bah ça va augmenter la rentabilité de la route de commerce en fait. Et surtout le problème aujourd'hui c'est qu'on a pas mal de vaisseaux du coup qui font des trajets à vide. C'est que tous ceux qui rentrent sur Terre là, ils sont... ouais, ils sont à vide. Sinon ils ont des... ils ont un passager tiens, en business class. Ok. Et dans les gens qui partent, on a quelques colons effectivement, 5. 30 de nourriture. 10 d'eau. Et puis c'est... alors on a Mercure aussi, hein, qui vient d'être colonisé. On a d'ailleurs une gate de spaceport, donc c'est un peu le même problème que sur Mars. Pour l'instant la colonie est très petite, donc utiliser un de ces gros vaisseaux pour envoyer des trucs là-bas, ça va nous coûter cher, la route va mettre beaucoup de temps à devenir profitable. Donc bon, heureusement qu'on a la route de Luna de toute façon pour nous permettre de faire des thunes, on a 4 millions là. Et c'est le même combat pour Europe. Ces trucs là sont très éloignés quoi en fait hein. Donc du coup les routes commerciales mettent beaucoup de temps à devenir rentable. Mais actuellement on a tellement de thunes que ça pourrait presque devenir intéressant de développer notre route maintenant. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette présentation de ce jeu. Bon vous avez vu hein, actuellement voilà c'est de l'early access. On a déjà en à peine une demi-heure de vidéo généré plus de 4 600 000. Si on regarde par rapport au rapport, on est loin devant les autres en profit pur. En termes de revenus, nos revenus bon fluctuent. Ça va commencer à fluctuer de plus en plus parce que les revenus de Terre-Lune sont stables, mais dans le temps deviennent de moins en moins profitables. Au plus la colonie de la Lune se développe, au moins ça devient profitable. Du coup à ce moment là il faut complètement switcher sur Mars ou sur Mercure ou sur les autres colonies qui sont plus loin. Alors l'avantage c'est qu'il y a des nouveaux modèles de vaisseaux qui sortent, qui vont plus vite ou qui au bout d'un moment, alors j'ai pas encore pu le tester mais apparemment au bout d'un moment il y a cette notion de warp drive qui permet de voyager beaucoup plus rapidement à l'intérieur d'un système et surtout qui permet de se balader d'un système solaire à un autre, donc ça c'est vachement intéressant je trouve. Donc ce jeu a vraiment beaucoup de potentiel, il me fait un peu penser à Cimmerport de ce côté là, donc c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, mais qui pour l'instant est vraiment dans de l'early access, donc personnellement je vais attendre, avant d'y rejouer, de le retester, que le jeu sorte de l'early access, enfin pardon, déjà sorte officiellement en early access, parce qu'apparemment les devs travaillent à fond pour corriger les derniers bugs et tout, parce qu'il y a plein de bugs qui sont pas très agréables. L'interface est pas géniale, c'est pas très pratique à naviguer et à savoir exactement et facilement filtrer par exemple les routes qui font pas de profit, vous voyez ce genre de choses. Donc voilà, on va voir comment ce jeu va évoluer et je pense que je referai une vidéo dessus, un de ces quatre, une fois qu'il aura reçu un petit peu quelques patchs quand même. Et parce que surtout je suis assez curieux de voir ce que ça donnerait les voyages interstellaires. Voilà, bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo de présentation vous a plu. Elle n'était pas faite pour vous inciter à acheter ce jeu, franchement. C'est juste que j'adore le concept de ce jeu. Donc j'avais envie de vous le partager. Après il est plein de défauts, donc il faut en avoir conscience. Donc si vous avez envie de le tester, faites-vous plaisir. Je crois qu'il est à 9€ hein, sur Steam, un truc comme ça. Par contre, hein, si vous dites tout là, il y a trop de bugs, c'est pas encore assez évolué et tout, attendez un peu et puis retestez-le plus tard quoi, hein, quand il sera mieux.
ou attendez ma prochaine vidéo dessus. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, ce Jay Découvre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous!